C'est dur la couture. Il faut bien appuyer pour pouvoir faire tout ça. Le papier est bien épais. Alors vous savez bien que je ne coupe pas partout. Je laisse des parties encore solides. Quand je veux mettre de l'eau, il y aura des parties qui vont gondoler plus et des parties qui seront consolidées. Le bistouri est là. J'ai une belle lumière. Je viens de travailler cette partie. J'ai commencé par là. Et là, je suis à la pointe. Bonjour les amis, je suis en train de travailler. Paysage, on voyage et on découvre et on voit que le vide est plein et que c'est que la ligne, le trait, la coupe. C'est ça qui est intéressant dans ce projet. La découpe a lieu, mais les choses existent, reliées. Pas mal. L'étape suivante, c'est de mettre une sève et on voit les feuilles qui se décrochent. Des parties qui sont déjà découpées, elles vont se décrocher. Vous en avez ici, vous en avez par là, mais vous en avez partout en fait. C'est que les pointes qui sont accrochées à la feuille, elles vont tenir. Le reste va bouger. Il y a des parties qui sont tenues. Et il y a des parties qui vont se défaire. J'ai une sève secrète. Alors vous demandez, mais qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il a? Eh bien, regardez bien. Voilà. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est cette bête? C'est de l'aloe vera. L'aloe vera a des propriétés extraordinaire, la sève a des propriétés extraordinaires. Donc, on va essayer de prendre un peu de sève et la mettre dans le blanc de notre feuille. Donc, on va utiliser le produit naturel. On va faire une petite incision quelque part. Alors, on va jouer le médecin. Elle fait du liquide. Vous voyez? Ce truc un peu dégoulinant. Eh bien, on va utiliser ça pour peindre avec. Donc aloe vera a aussi des qualités, en tout cas des guérisons. Pour la peau, on peut aussi la manger, mais il faut enlever la peau. Un peu de près. Regardez l'eau qui irrigue les zones. Vous voyez?
ça devient très intéressant. Vous voyez, c'est ça la création. On ne sait pas où on va, mais on sent le chemin, on le suit et on découvre de belles choses. On découvre de nouveaux projets, des nouvelles solutions et peut-être de nouvelles voies. On va attendre voir ce que ça donne, car vous voyez, sa gondole, c'est bon signe, ça se passe bien. Et je trouve qu'elle est très belle. C'est une très belle peinture, c'est un très beau dessin, c'est un dessin, peinture, coupure. Bien séché, hein. On a encore des zones d'humidité, mais ça gondole. Bon, si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur les pouces bleus.